Bonjour. Allez, encore 2 jours et c'est terminé. L'étoile mystérieuse sera trouvée. Donc, alors, petit récapitulatif. Donc, comme tout le monde sait, c'est Olivier de Kersauzon. Donc, le Parthénon, c'est parce qu'il était parti faire un voyage en Grèce quand il était jeune. Le croisé, c'est parce qu'un de ses ancêtres a fait les croisades. En haut à droite, c'est parce qu'il fait partie d'une famille de 8 enfants. Donc, lui, il est le septième. Le parachutiste, c'est parce qu'il a fait son service chez les paras. En R, c'est parce qu'il a fait de la radio d'abord sur RTL avec les grosses têtes de Bouvard et après sur Europe 1 avec Cyril Hanouna. Le tonneau, c'est parce que son frère fait partie des créateurs de la route du Rhum. Le bateau, c'est parce que bon, voilà, c'est un navigateur. Et puis la fleur exotique, c'est parce qu'il passe son temps dans les îles et surtout à Tahiti et surtout avec sa femme qui est magnifique. Voilà. Et puis j'ai trouvé une coïncidence qui est vraiment très étrange. Donc si un jour vous voulez devenir un très grand maître de midi, eh bien, il faut avoir 54 ans. J'ai remarqué que Véronique et Christian avaient exactement le même âge. Christian vient d'avoir 54 ans le 25 mai, donc joyeux anniversaire. Je ne connais pas la date exacte d'anniversaire de Véro, donc si elle veut bien me répondre. Et puis, mais. Et ils ont tous les deux 54 ans, donc je trouve ça assez rigolo. Donc, si toi derrière cet écran tu as 54 ans et que tu veux devenir un grand maître de midi, va t'inscrire pour aller gagner. Voilà, sinon, notre t-shirt du jour aussi, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Marilyn Monroe qui aurait 92 ans. Donc, Poupoupidou. Ce soir, il y a le match France-Italie. Donc, pas ce soir, chérie, il y a foot. Et puis, notre t-shirt de la Coupe du Monde, le KGB, Kylian, Griezmann et Blaise Matuidi. Voilà, et puis, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Bye bye.